أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode, inshallah, d'une collection qui va nous mener, inshallah, vers les voies de la méditation du Coran. Le concept est simple. Nous allons tenter de nous concentrer sur un verset par rencontre. Avec un seul verset, on pourrait faire des heures et des heures d'explications. Néanmoins, on va essayer d'être concis et précis. Si Allah Azza wa Jal nous donne le tawfiq, la réussite, pour expliquer quelques éléments qui vont te servir dans ta vie de tous les jours. Pour que lorsque tu ouvres le Coran, cela te parle, inshallah. Nous allons commencer aujourd'hui avec le début, ce qu'on appelle « al-isti'adhatu billah », c'est-à-dire le fait de chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal avant de lire le Coran. On dit « a'udhu billahi minash shaytanir rajim », ce qui signifie « je cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre ash-shaytan », celui qui a été éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ar-rajim, le lapidé. Ici, on a un certain nombre de choses qui sont très importantes. Premièrement, lorsque tu dis cela, tu reconnais que toute la puissance appartient à Allah et que toi, tu n'en as pas. Deuxièmement, tu reconnais qu'Allah est le créateur de toutes choses et que toi, tu n'es qu'une créature, une créature faible. Mes seules capacités intellectuelles, ma seule piété, mes seules capacités émotionnelles ne peuvent pas me suffire pour me réfugier contre le diable et contre toutes les mauvaises choses qui pourraient s'introduire dans ma lecture du Coran. Donc je demande à qui? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette phrase est prise d'un verset coranique où Allah Azza wa Jal nous dit « فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » Ce qui signifie « Et lorsque tu lis le Coran, lis, suis, ressens, médite le Coran, eh bien cherche protection auprès d'Allah contre Satan, Shaytan, celui qui a été éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Rajim, le lapidé. » Ce verset nous enseigne en vérité que lire le Coran n'est pas simplement le lire à l'instant T. Tu lis le Coran lorsque tu pries. Tu lis le Coran quand tu fais ton hajj, quand tu fais ta umrah. Tu lis le Coran lorsque tu agis dans le bien, lorsque tu dis du bien, lorsque tu fais du bien. Ainsi, ceci, ce qu'on a vu, ce n'est pas simplement une phrase à dire avant de lire le Coran, mais c'est une phrase de méthodologie. Celui qui reconnaît la puissance d'Allah Azza wa Jal reconnaît sa propre impuissance. Et ce qui va naître en nous, c'est l'humilité. Vous voyez, c'est une des clés. Être humble devant la parole d'Allah Azza wa Jal nous permet de faire quoi? De pouvoir l'aborder sereinement et en tant que abd, serviteur et adorateur, incha'Allah ta'ala. Pour finir cette petite introduction, incha'Allah, je voudrais, mon frère, ma sœur, que tu gardes à l'esprit que tout ceci est un héritage d'origine divine et que je ne suis pas en train de te dire « dis cette phrase » et tout pourra être comme par magie, tout deviendra facile. Je ne suis pas en train de te dire cela. Je suis en train de te dire qu'Allah Azza wa Jal, min fawqi sab'i samawat, du haut des sept cieux, d'une façon qui sied à sa perfection, nous a révélé cette méthodologie de vie. Alors, lorsque tu lis le Coran, ista'idh billah. Lorsque tu t'énerves, ista'idh billah. Lorsque tu vois une faiblesse en toi, ista'idh billah. Lorsque tu veux éduquer ton âme, ista'idh billah, réfugie-toi auprès d'Allah. C'est auprès d'Allah que se trouve la victoire et la véritable purification de l'âme. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب